Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Oh, ce oui, se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Qu'est donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah, oh, mon Dieu, fille! Comment? Ah, fille, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point. Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce nœud bien assorti, n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu! Que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde de petits personnages, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs et traitant de mépris les sens et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux que du nom de savante. On honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible. Aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain. Soumettant à ces lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soirs où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre. Et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière. Moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Et bien vous prend, ma sœur, que son noble génie n'ait pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à qui tendre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit pas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines. Et vous ne tombez pas aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours. Et la philosophie à toutes vos amours.
Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour qu'il y tendre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens, et l'on peut, pour époux, refuser un mérite que pour adorateur, on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections, il n'ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais elle offre des vœux d'un amant dépité. Trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté. Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur, pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur. Et pour moi, je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi. Et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je ne sais. Mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient. Et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entre elle et moi, qui tendre, expliquez votre cœur. Découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre qui de nous, à vos voeux, est en droit de prétendre. Non, non. Je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens. Et sais comme embarrasse le contraignant effort de ces aveux en face. Non, madame. Mon cœur qui dissimule peu ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras, un tel pas ne me jette. Et j'avouerai tout haut, d'une âme franche et nette, que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte. Vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle. Mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues sans mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran. Et je me suis cherché lassé de tant de peines, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux. Et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes et n'ont point dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme. De ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie? Et que de vous, enfin, si fort en ce souci? Je vous trouve plaisant de vous le figurer et bien impertinent de me le déclarer. Eh, doucement, ma sœur, où donc la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux? Mais vous, qui m'en parlez, où la pratiquez-vous de répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être? Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur, sur vos leçons, veut régler sa conduite. Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, qui tendre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime. J'y vais de tous mes soins travailler hautement. Et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur. Et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur, point du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout puissants. Et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois qu'ici, vous daignerez vous employer pour moi. Appuyez sa demande et de votre suffrage, pressez l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite et pour y travailler... Votre petit esprit se mêle de railler et d'un cœur qu'on vous jette. On vous voit toute fière. Tout jeté qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère.
Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, ils prendraient aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre. Et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise. Elle mérite assez une telle franchise. Et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout. Mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne. Et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante. Une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Un esprit qui, flattant les visions du leur, vous pût de leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, même dans votre sœur, flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je conçois qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache. Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame, votre mère. Mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme. Mais j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un benêt dont partout on cible les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle. Ces écrits, ces discours, tout m'ensemble ennuyeux. Et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais comme sur ma mère et la grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour ou s'attache son cœur, il veut de tout le monde y gagner la faveur. Et pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire. Oui, vous avez raison. Mais M. Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir pour gagner ses suffrages à me déshonorer en prisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru. Et je le connaissais avant que l'avoir vu. Je vis dans le fatras des écrits qu'il nous donne ce qu'étale en tout lieu sa pédante personne. La constante hauteur de sa présomption, cette intrépidité de bonne opinion, cet indolent état de confiance extrême qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, qui se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit, et qui ne voudrait point changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée. C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela. Jusque à sa figure, encore, la chose alla. Et je vis, par les vers qu'à la tête il nous jette, de quel air il fallait que fût fait le poète. Et j'en avais si bien deviné tous les traits que, rencontrant un homme, un jour, dans le palais, je gageais que c'était Trissotin en personne. Et je vis qu'en effet, la gageure était bonne. Mais le comte. Non, je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur le découvre ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez, pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Au tout bout, gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue il vous faut exiler. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme.
Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ses beautés. Oh, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est pas du tout un trait d'esprit, madame. Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire. Et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup. Et tout ce que je veux, c'est que vous y daignez favoriser mes voeux. Je vois où doucement veut aller la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite, et pour n'en point sortir, aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir, je dirai... qu'Henriette à l'hymen est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Mais madame, à quoi bon un pareil embarras, et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour dont s'est adroitement avisé votre amour, et que, sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais... adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Et je vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur... laissez. Je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime. Et ça, je... non, non. Je ne veux rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à ses préventions? Allons commettre un autre soin que l'on me donne et prenons le secours d'une sage personne. Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a le chose à dire et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire. Jamais... oh! Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitandre. Sans doute, et je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite. Et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirs qu'il a conduits ici, mais pas... et je me réjouis que vous en fassiez cas. Je connus feu son père en mon voyage à Rome. Fort bien. C'était mon frère, un fort bon gentilhomme. Je le crois. Nous n'avions alors que 28 ans et nous étions, ma foi, tous deux de verts galants. On le dit. Nous donnions chez les dames romaines et tout le monde là parlait de nos fraternes. Nous faisions des jaloux. Voilà qui valait mieux. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Clitandre, auprès de vous, me fait son interprète et son cœur est épris des grâces d'Henriette. Quoi? De ma fille? Oui, Clitandre en est charmé et je ne vis jamais amant plus enflammé. Non, non, je vous entends. Vous ignorez l'histoire et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur? Clitandre abuse vos esprits et c'est d'un autre objet que son cœur est épris. Voyez, ce n'est pas Henriette qu'il aime. Non, j'en suis assurée. Il me l'a dit lui-même. Eh oui. Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. Fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux, on ne peut tromper plus galamment. Henriette entre nous est un amusement, un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Mais puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui, quoi? Moi. Vous? Moi-même. Eh, ma sœur... qu'est-ce donc que veut dire ce « est » ? Et qu'il y a de surprenant le discours que je fais ?
En effet, te donner, je pense à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques appâts. Ces gens vous aiment? Eh oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets truchements ont tous fait leur office. On ne voit presque point Céan venir d'Amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. De mots piquants partout, Dorante vous outrage. Se sentant fortement d'une jalouse rage. Cléonte et Lycidas ont pris femme, tous deux. C'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, chimères! Ce sont des chimères, dit-on. Chimères, moi! Vraiment, chimères et fourgons. Je me réjouis fort de chimères, mes frères. Et je ne savais pas que j'eusse des chimères. Notre sœur est folle, oui. Cela croît tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur et tiens son alliance à singulier honneur. Vous savez que de bien il n'a pas l'abondance que... C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu. Cela vaut des trésors. Et puis, son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme et voyons à la rendre favorable. Il suffit. Je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Allons. Vous moquez-vous. Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais... Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas. Je l'avais disposé aux choses de ce pas. Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir... C'est une affaire faite. Et je vais à ma femme en parler, sans délai. Voilà bien chanceuse, hélas. On dit bien vrai, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc avez-vous, Martine? Ce que j'ai? Oui. J'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui. Madame me chasse. Je n'entends pas cela, comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me brailler sans coup. Non, vous demeurerez, je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude et je ne veux pas, moi. Waouh! Je vous vois, maraude. Vite, sortez, friponne. Allons quitter ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, c'en est fait. Et... Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi, vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non, je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je, de Céan. Eh bien, oui. Vous dit-on quelque chose de la contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je, oui, ma femme avec raison vous chasse. Coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable. Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques guerres ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien. Oh, oh, peste, la belle. Quoi? L'avez-vous surprise à n'être pas fidèle? C'est pis que tout cela. Pis que tout cela? Pis! Comment diantre, friponne? Oh, a-t-elle commis? Elle l'a! D'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons insultées mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas qu'en termes décisifs condamne Vosgelas. Est-ce là? Quoi? Toujours malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire qui s'est régentée jusqu'au roi, et les faits la main haute, obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi, vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je dégarde. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite, et des lois du langage, on l'a 100 fois instruite. Tout ce que vous prêchez, je crois, bel et bon, mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudente. Appeler un jargon le langage fondé sur la raison
et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style. Ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile. Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrûment? De pas mis avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit trop d'une négative. Mon Dieu! Je n'avons pas étudié comme vous. Et je parle en tout droit comme on parle chez nous. Oh, peut-on y tenir? Quel solécis morris. Oh, voilà pour toi une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, à vous et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Oh, ciel. Grammaire est prise à contresens par toi et je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. Ma foi, qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise. La grammaire du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais pas ces gens-là. Quel martyr. Ce sont les noms des mots. Et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'importe. Eh mon Dieu, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir. C'est fait. Son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point. Retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi, point. Allons, sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite, et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie, c'est une fille propre aux choses qu'elle fait. Et vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que toujours je l'aie à mon service, pour mettre incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbarama de vices, de raisons, de mots estropiés cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des halles. Il est vrai que l'on sue à souffrir ces discours. Énimez vos joues-là en pièces tous les jours, et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Qu'importe qu'elle manque aux lois de vos joues-là, pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas. J'aime bien mieux, pour moi, qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes et redise 100 fois un bas ou méchant mot que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonne soupe et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage. Et Malherbe et Balzac, si savants en bon mot, en cuisine peut-être, auraient été des sots. Que ce discours grossier terriblement assomme et quelle indignité pour ceux qui s'appellent homme, d'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille, mes chers. Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, doit être à le nourrir du suc de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Oh, sollicitude à mon oreille est rude. Il pue étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien collé mouté. Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur... Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre sollicisme en parlant vous irrite, mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas. Et or, un gros plus tard qu'à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville monter, pour faire bien, du grenier de séance, cette longue lunette, à faire peur aux gens, et sans brimborion dans l'esprit importune, ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous. Où nous voyons aller tout sans dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pour point d'avec un haut de choses. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur docte entretien, et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles, dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, essayant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir,
On dit c'est comme bon aux lunes, étoiles polaires, Vénus, Saturne et Mars. Bon, je n'ai point à faire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot dont j'ai besoin. Mes gens à la science aspirent pour vous plaire et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison. Et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon rôt en lisant quelque histoire, l'autre rêve à des verres quand je demande à boire. Enfin, je vois par eux votre exemple suivi et j'ai des serviteurs et ne suis point servi. Une pauvre servante, au moins, m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infecté, et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, à cause qu'elle manque à parler Vosgelas, je vous le dis. Ma sœur, tout ce train-là me blesse, car c'est comme j'ai dit à vous que je m'adresse. Je n'aime point séant tous vos gens à latin, principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des billevesées. On cherche ce qu'il dit, après qu'il a parlé. Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse au ciel et d'âme et de langage. N'est-il de petit corps un plus lourd assemblage? Un esprit composé d'atomes plus bourgeois? Et de ce même sang, se peut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de votre race. Mais de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Moi, non. Ne parlons plus de querelles, c'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'Hyménée. C'est une philosophe. Enfin, je n'en dis rien, elle est bien gouvernée, et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette, de choisir un mari. C'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut, et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue, et de tout point chez moi, l'affaire est résolue. Au moins, ne dites mot du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite. Et je connais très bien si vous l'aurez instruit. Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non. Est-ce qu'elle balance? En aucune façon. Quoi donc? C'est que, pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Moi, point. Dieu ne plaise. Qu'avez-vous répondu? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle et sait faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre? Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu! Vous en parlez, mon frère, bien à l'aise, et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix et la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Et sa morale, faite à mépriser le bien, sur l'aigreur de sa bile, opère comme rien. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler quand elle prend son ton, je ne sais où me mettre. Et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur, et mamie. Allez, c'est se moquer. Votre femme, entre nous, est par vos lâchetés souveraines sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites mener en bête par le nez. Quoi, vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme? À faire condescendre une femme à vos voeux et prendre assez de cœur pour dire un « je le veux » Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille et de tout votre bien revêtir un ego pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut, un pédant, qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et de grand philosophe, d'homme qu'envers galant jamais on égala et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela. Allez, encore un coup, c'est une moquerie et votre lâcheté mérite qu'on en rie. Oui, vous avez raison et je vois que j'ai tort. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit.
C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joué de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille et que j'en suis le maître, pour lui prendre un mari qui soit selon mes voeux. Vous voilà raisonnable et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre et savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme à la barbe des gens. Ah, mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que, mot à mot, il est besoin qu'on pèse. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. Ce m'est une douceur à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de si pressant désir. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous toucher, et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Qu'il a d'esprit. Oula, pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez, et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses déraient. Dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Oh! Songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Oh là, petit garçon, vite, de quoi s'asseoir. Voyez l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute ignorant, ne vois-tu pas les causes? Et qu'elle vient d'avoir, du point fixe, écarter ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçu, madame étant par terre. Le lourdeau. Bien lui prend de n'être pas de verre. Oh, de l'esprit partout. Cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de chose. Et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, le ragoût d'un sonnet, qui chez une princesse a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Oh, je n'en doute point. Donnons vite audience. Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Ah, laissez-le donc lire. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Oh, les jolis débuts. Qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie, loger son ennemi superbement
et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. Oh, Doudou, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert jusque au fond de l'âme coulée. Je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Oh, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais où comprend-on bien comme moi la finesse? Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre, on prenne ici les intérêts, n'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête. Cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tiercet, je vous prie. Oh, s'il vous plaît. Encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Riche appartement. Où cette ingrate, insolemment. Cette ingrate de fièvre. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang. Et nuit et jour, vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On pâme. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains, là, noyez-la dans les bains. Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On ne saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. Le sommet dont vous semble... admirable, nouveau. Et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi, sans émotion, pendant cette lecture, vous faites de la manière sur une étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit, il ne l'est pas qui veut. Peut-être comme mes vers importunent madame. Ouais, je n'écoute pas. Oh, voyons l'épigramme. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis. Ces titres ont toujours quelque chose de rare. À cent beaux traits d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour si chèrement m'a vendu son lien. Qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où t'endors se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher ma Laïs. Oh, ma Laïs. Voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut un million. Et quand tu vois ce beau carrosse où t'endors se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher ma Laïs, ne dis plus qu'il est amarante. Dis plutôt qu'il est de marante. Oh! Oh! Oh, celui-là ne s'attend point du tout. On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante,
Dis plutôt qu'il est de ma rente. Voilà qui se décline. Ma rente, de ma rente, à ma rente. Je ne sais du moment que je vous ai connu si sur votre sujet j'eus l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer en ami 8 chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté quand le sa République il a fait le traité, mais à l'effet entier, je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose, accommodée. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger, tout autant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. On en attend beaucoup de vos vives clartés, et pour vous, la nature a peu d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une, et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'hommes comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales, ces jouets éternels des sous de tous les temps, ces fades lieux communs de nos méchants plaisants, ces sources d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits. Ils ne sauraient manquer d'être tous beaux et sages. Nous serons par nos lois les juges des ouvrages. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit. Or, nous et nos amis, nous chercherons partout à trouver à redire et ne verrons que nous qui sachent bien écrire. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Oula ! Je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires ? Venez ! On va dans un peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec ? Oh, ciel, du grec. Il sait du grec, ma sœur. Oh, ma nièce, du grec. Du grec, quelle douceur. Quoi, monsieur, c'est du grec? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques doctes entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose, et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations. D'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui partout va gueuser des encens, qui, des premiers venus saisissant les oreilles, en fait le plus souvent les martyrs de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend
à tous les sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en 12 attraits Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre Horace après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on rien voir des galops sonnets que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Aux balades, surtout, vous êtes admirable. Et dans les bouts rimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade. Mais je veux que tout nettement. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis point du tout, et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire le semblable. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La balade, pourtant, charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud barbouilleur de papier. Allez, rimeur de pâle, opprobre du métier. Allez, fripier d'écrit, impudent plagiaire. Allez, cuistre. Eh, messieurs, que prétendez-vous faire? Va, va restituer tous les honteux de larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va, va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers repier Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire était habillée en vain, tu la déchires. Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il te laisse en paix et l'on t'y voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi redoublés en tout lieu montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien nous nous verrons sol à sol chez Barbin. À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit chez vous ne se fait voir, mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément. Et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien, ma mère,
d'être bête. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, et qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances, et la pensée, enfin, où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur, que je vous détermine à avoir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère? Oui, vous. Faites la sotte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame. Et cet hymen dont je vois qu'on m'honore me met... Tout beau, monsieur. Il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant comme vous répondez. Savez-vous bien que si... Suffit. Vous m'entendez. Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère. Et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je vous le cède tout, comme à ma sœur aînée. Si l'hymen, comme à vous, me paraissait charmant, j'accepterais votre offre, avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance. Et vous croyez en vain par votre résistance. Allons, ma fille, il faut approuver mon dessein. Ôtez ce gant, touchez à monsieur dans la main et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos voeux une entière puissance. Une mère à sa part, à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est un autre époux. Taisez-vous, Péronnelle, allez philosopher tout le soir avec elle et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite. Bon, bien, vous faites des merveilles. Quel transport, quelle joie. Comment serait doux. Allons, prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Ah, les douces caresses. Tenez, mon cœur s'émeut à toutes ces tendresses. Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours. Oui, rien n'a retenu son esprit en balance. Elle a fait vanité de son obéissance. Son cœur, pour se livrer à peine, devant moi, s'est-il donné le temps d'en recevoir la loi. Et semblait suivre moins les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent tous ses voeux. Et qui doit gouverner ou sa mère ou son père, ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière. On vous en devait bien, au moins, un compliment. Et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir, malgré vous, devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire et jamais il ne m'a prié de lui rien lire. Je ne souffrirais point si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il pût être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelque pensée que là-dessus, je parle en fille intéressée, et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelque dépit secret. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie, et par elle, on se peut mettre au-dessus de tout. Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout.
Il est de votre honneur d'être à ses voeux contraires. Et c'est un homme, enfin, qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu, discourant entre nous, qu'il eût au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit sot. Quelque bruit que votre gloire fasse, toujours, à vous louer, il a paru de glace. Le brutal. Et 20 fois, comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous, qu'il n'a point trouvé beau. L'impertinent. Souvent, nous en étions aux prises. Et vous ne croiriez point de combien de sottises. Et doucement, de grâce. Un peu de charité, madame. Ou tout au moins, un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin? Parlez. Dites. D'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux de notre amour. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale. Et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que m'a de votre âme ordonné la fierté? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose. Et si je vous offense, elle seule en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soins empressé de voir respect, service dont il ne vous ait fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes voeux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce, madame, ou ma faute, ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez? Est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez? Appelez-vous, monsieur, être à vos voeux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez, pour moi, tenir votre pensée du commerce des sens, nette et débarrassée. Et vous ne goûtez point dans ces plus doux appas cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous ont produits, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Oh, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs. Et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. C'est un feu pur et net, comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports. On ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai, ne vous déplaise, un corps, tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit. Ces unions de cœur et ces tendres pensées du commerce des sens si bien débarrassées. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même. Et l'amour qu'on me donne en veut, je le confesse à toute la personne. Ce n'est pas la matière à de grands châtiments. Et sans faire de tort à vos beaux sentiments, je vois que dans le monde, on suit fort ma méthode et que le mariage est assez à la mode, passe pour un lien assez honnête et doux
pour avoir désiré de me voir votre époux sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien, monsieur. Eh bien, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter. Puisque, pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage quand vous vous promettez cet autre mariage? Et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux tout près? Eh, madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie. Et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de monsieur Trissetin. L'amour des beaux esprits qui, chez vous, m'est contraire, ne pouvait m'opposer à un moins noble adversaire. Il en est, et plusieurs, que pour le bel esprit, le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit. Mais monsieur Trissetin n'a pu duper personne. Et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Hors séant, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Et ce qui m'a 20 fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel lever des sornettes que vous désavoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame, échappé belle. Un monde près de nous a passé tout du long, échu tout au travers de notre tourbillon. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes. Mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait des grands sauts et non pas la science. Vous avez cru fort mal. Et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fat devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle, ainsi vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ces certains savants-là peuvent, à les connaître, valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants. Mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, monsieur... Madame, de grâce. Monsieur est assez fort sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un si rude assaillant, et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offensante aigreur de chaque répartie dont vous... Autre second... Je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats, pourvu qu'à la personne, on ne s'attaque pas. Mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant comme de France. Et de bien d'autres traits, il s'est senti piquer sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas au combat que je suis de voir prendre à monsieur la thèse qu'il appuie. Il est fort enfoncé dans la cour. C'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance. Et c'est en courtisant qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour. Et son malheur est grand de voir que chaque jour, vous autres beaux esprits, vous déclamiez contre elle. Que de tous vos chagrins, vous lui fassiez querelle. Et sur son méchant goût, lui faisant son procès, n'accusiez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissetin, de vous dire, avec tout le respect que votre nom m'inspire, que vous feriez fort bien, vos confrères et vous, de parler de la cour d'un ton un peu plus doux.
qu'elle a bien prendre au fond, elle n'est pas si bête que vous autres messieurs vous vous mettez en tête, qu'elle a du sang commun pour se connaître à tout, que chez elle on se peut former quelques bons goûts, et que l'esprit du monde y vaut, sans flatterie, tout le savoir obscur de la pédanterie. De son bon goût, monsieur, nous voyons des effets. Où voyez-vous, monsieur, qu'elle est si mauvaise? Ce que je vois, monsieur, c'est que pour la science, Razius et Baldus font honneur à la France, et que tout leur mérite exposé fort au jour n'attire point les yeux et les dons de la cour. Je vois votre chagrin, et que par modestie, vous ne vous mettez point, monsieur, de la partie. Et pour ne vous point mettre aussi dans le propos, que font-ils pour l'État, vos habiles héros? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service pour accuser la cour d'une horrible injustice et se plaindre en tout lieu que sur leur docte nom, elle manque à verser la faveur de ses dons? Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire. Et des livres qu'ils font, la cour a bien à faire. Ils semblent à trois gredins dans leur petit cerveau que, pour être imprimés et reliés en veau, les voilà dans l'état d'importantes personnes. Avec leurs plumes, ils font les destins des couronnes. Qu'au moindre petit bruit de leur production, ils doivent voir chez eux voler les pensions. Que sur eux, l'univers a la vue attachée. Que partout de leur nom, la gloire est épanchée. Et qu'en science, ils sont des prodiges fameux pour savoir ce qu'on dit des autres avant eux, pour avoir eu 30 ans des yeux et des oreilles, pour avoir employé 9 ou 10 000 veilles à se bien barbouiller de grec et de latin et se charger l'esprit d'un ténébreux butin de tous les vieux fatras qui traînent dans les livres. Gens qui, de leur savoir, paraissent toujours ivres, riches pour tout mérite en babil importun, inhabiles à tout, vides de sang commun, et pleins d'un ridicule et d'une impertinence à décrier partout l'esprit et la science. Votre chaleur est grande, et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite. Le savant qui tantôt vous a rendu visite, et de qui j'ai l'honneur de me voir le valet, madame, vous exhorte à lire ce billet. Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez, mon ami, que c'est une sottise de se venir jeter au travers d'un discours, et qu'aux gens du logis, il faut avoir recours, afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Trissetin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses. Et que vous ferez bien de ne pas conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle. Où vous verrez noter en marge tous les endroits qu'il a pillés. Voilà sur cet hymen que je me suis promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement aujourd'hui me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé les faits. Reportez tout cela sur l'heure à votre maître et lui dites qu'afin de lui faire connaître quel grand état je fais de ses nobles avis et comme je les crois dignes d'être suivis, dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de... à signer l'ordre, vous pourrez assister, je vous y veux bien de ma part, invité. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir vos sœurs de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en a besoin. Et monsieur, que voilà, saura prendre le soin de courir lui porter bientôt cette nouvelle et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir et si je la saurai réduire à son devoir. J'ai regret, monsieur, de voir qu'à vos visées, les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme, mon plus fidèle espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez actuera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour.
C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes voeux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe, a d'indignes appas. Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous. Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes voeux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre. Et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant qu'on serait estimé. Mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être. Et je sens que du mien, qu'il tendre s'est fait maître. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par son beau talent vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort. Mais je n'y puis que faire. Et tout ce que sur moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera ce cœur que possède Clitandre. Et par mille doux soins, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Non. À ses premiers vœux, mon âme est attachée et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous, librement, j'ose ici m'expliquer et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point comme l'on sait un effet du mérite. Le caprice y prend part et quand quelqu'un nous plaît, souvent, nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait, monsieur, par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement. Et ne vous servez point de cette violence que pour vous l'on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Ne poussez point, ma mère, à vouloir par son choix exercer sur mes voeux la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour et portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter, imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer peut-il être capable, à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes apôtres. Mais monsieur, ils sont là, ce Galimathia. Vous avez tant d'Iris, de Phyllis, d'Amarante, que partout dans vos vers vous peignez si charmante et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur. C'est mon esprit qui parle et ce n'est pas mon cœur. D'elle, on ne me voit amoureux qu'en poète. Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. Et de grâce, monsieur. Si c'est vous offenser, mon offense envers vous n'est pas prête à cesser. Cette ardeur jusqu'ici de vos yeux ignorés vous consacre des vœux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports. Et bien que vos beautés condamnent mes efforts,
Je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous aie, il n'importe comment. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence, qu'il ne fait pas bien sûr à vous le trancher net d'épouser une fille en dépit qu'elle en est, et qu'elle peut aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, il se met au-dessus de ces sortes d'affaires et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravie. Et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Mais cette fermeté d'âme, à vous si singulière, mérite qu'on lui donne une illustre matière et digne de trouver qui prenne avec amour les soins continuels de la mettre en son jour. Et comme à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire. Je le laisse à quelque autre. Et vous jure entre nous que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment tira l'affaire. Et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Allons, venez vous en faire votre devoir et soumettre vos voeux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà malgré ses dents Martine, que j'amène et rétablis séant. Vos résolutions sont dignes de louanges. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous, ma mère ne l'emporte. Comment? Me prenez-vous ici pour un bonnet? M'en préserve le ciel. Suis-je un fat, s'il vous plaît? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce donc à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi? Si faire. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Mais non, mon père. Ouais, qu'est-ce donc ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté, séant, doit être en tout suivie. Fort bien, mon père. Aucun, hors moi, dans la maison, n'a droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là le plus doux de mes voeux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Verrons si ma femme, à mes désirs rebelles... La voici qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Laissez-moi, j'aurai soin de vous encourager s'il en est de besoin. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage? Notre style est très bon et je serais un sot, madame, de vouloir y changer un seul mot. Oh, quelle barbarie au milieu de la France! Mais au moins, en faveur, monsieur, de la science, veuillez, au lieu d'écus, de livres et de francs, nous exprimer la dot en mines et talents, et datés par les maudites et de calandes. Moi? Mais si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie en vain, nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Ah ah, c'est impudent, osant encore se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Tantôt, avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie et la cadette. Bon. Oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. Fort bien. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse, est monsieur. Deux époux? C'est trop pour la coutume. Vous arrêtez, vous mettez? Mettez monsieur Tristotin pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez monsieur Clitandre. Mettez-vous donc d'accord. Et d'un jugement mûr, voyez à convenir entre vous du futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux. Quoi donc, vous combattez les choses que je veux? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment, à votre bien, on songe bien ici. Et c'est là pour un sage, un fort digne souci. Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ouais, vous le prenez là d'un ton bien absolu. Ce n'est point à la femme à prescrire, et je somme pour céder le dessus en toute chose aux hommes. C'est bien dit. Mon congé, sans fois me fut-il hoc, la poule ne doit point chanter devant le coq. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gosse, quand sa femme chez lui porte le haut de chose. Il est vrai.
Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse. Et si je contestais contre lui, par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il rabaisse à mon ton. C'est parler comme il faut. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est, lui refuser qu'il tendre? Et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler à un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. Fort bien. Il faut souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et pour mon mari, moi, mille fois je l'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'ait point d'autre livre que moi. Qui ne sache A-N-B, n'en déplaise à madame, et ne soit en amont docteur que pour sa femme. Est-ce fait? Et sans trouble, ai-je assez écouté votre digne interprète? Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas, je lui dis, je le veux, ne me répliquez pas. Si votre parole à Clitandre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre consentement. Et mon père? Mais monsieur. On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire. Mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. La substance qui pense y peut être reçue, mais nous en bannissons la substance étendue. J'ai regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une pour vous me vient de votre procureur, l'autre pour vous me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous troubler pourrait-on nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre, qui vous dira ce que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et que vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu? Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites! Faites paraître une âme moins commune à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus. Et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné? Ah, ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort, en effet. Vous vous êtes là justement récrié. Il devrait avoir mis que vous êtes prié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépens qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait, tous deux, banqueroute. Oh ciel! Tout à la fois perdre ainsi tout mon bien. Oh, que l'on te transporte! Fille, tout cela n'est rien. Il n'est pour le vrai sage aucun revers funeste, et perdant toute chose à soi-même, il se reste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire, et pour nous et pour lui. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cette hymen, tout le monde est contraire, et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps? Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. De tant de résistance, à la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez et je regarde peu comment vous le prendrez. Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici je suis. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas et je baise les mains à qui ne me veut pas. Qu'il a bien découvert son âme mercenaire. Et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin je m'attache, madame, à tout votre destin. Et j'ose vous offrir avec ma personne ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux, et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère, je change à présent de pensée.
Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité? Et lorsque mon amour, je vois chacun se rendre... Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre. Et je vous ai toujours souhaité pour époux, lorsqu'en satisfaisant à mes voeux les plus doux, j'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin me serait sans vous insupportable. L'amour dans son transport parle toujours ainsi. Des retours importuns, évitons le souci. Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins des choses de la vie. Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait renoncer à l'hymen de Clitandre? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir, et je ne puis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles, et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour détromper ma sœur et lui faire connaître ce que son philosophe à l'essai pouvait être. Oh. Le ciel en soit loué! J'en ai la joie au cœur, par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse. Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Ainsi donc? Alors, veut vous me sacrifiez? Ce ne sera point vous que je leur sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Qu'ils prennent garde au moins que je suis dans son cœur. Par un prompt désespoir, souvent on se marie, qu'on s'en repente après, tout le temps de sa vie. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit. Et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.